Jodi a la, nou pral travay lan lot studio e nou pral lan best definition studio. Ok? Donc, nou pral montre nou, nou pral fè yon jam session. Nou pral montre nou lè nan fè bateri dan studio, koman sa fè. Ok? Donc, rete avè mwen pou nou wè koman yo kon tek bateri e comment nous mettez batterie drums dans une musique dans ce sujet. OK. Donc là là comme on cavola n'a nous soit là n'a drive pour aller dans Best Definition Studio, son bon studio des fois, c'est là moi fait drums et m'a préféré nos studios ça tout. Spécialement pour le monde qui est Florida et n'importe où. Alors, musique ça, c'est une musique que je vois moi et pour mixer, même pas de film pour aimer. Genre que Jun Joye, Tech Batterie. Parce qu'on a un bon mixage, batterie a gain. Gen pour beaucoup là-dedans parce que si ou pas bon bon tek batterie, si on si tek yo pas bon, ça me dit tek yo, ça dit que en enregistrement yo pas bon, et ben ou pas ka gon un bon mixage. Donc c'est même gens tout la mastering tout grand pile artiste k'ap voye musique en pour moi pour que moi mastering, mais faut qu'on ait loi faire mastering dans gon niveau pour mettre musique là, faut musique là pas dépasser 6 dB, c'est-à-dire que faut voir musique là, l'on très low niveau moins d'un minus 3 dB, mais même moi qui a fait travail là-dedans, moi cabal compresseur, cabal EQ, cabal et largeur, everything, tout ça que musique a besoin. Mais si vous voyez une musique qui est qui déjà trop haut, et ben pas grand rien qui a fait vraiment la mastering parce que vous pas bien assez de room. Donc si vous voyez musique là trop haut, mon pape ca joindre assez d'espace, assez de room pour mettre processeur. OK? Donc c'est même gens tout m'a obligé refaire tek batterie ça parce que batterie qui là dedans n'a pas fin trop bon. Alors pour que mon ca gon bain de mixage. OK? Donc ou même tout cap garder dans la seconde musique ou besoin master et mixer relève là 954 394 91 ou du moins envoyer un email pour nous. Ralph@gmail.com. OK, en contact avec nous, vous faire là pour nous. Et puis n'a mixé pour vous, n'a mastering. Donc jodi a m'a montrer nous comment ça fait dans studio, le on va faire ou tek batterie. Donc jodi a là c'est ça nous va le faire. N'a conduit pour n'aller dans Best Definition Studio pour n'aller en même temps tout m'a faire nous qui batteur qui va jouer sous musique ça, donc n'a pas une idée. Donc on a rentré dans le studio pour faire nous comment session jam session n'a pas passé. Bon là comme on cave là nous fait rentrer dans Best Definition Studio, un bon studio m'a préféré nous. OK, donc là on cave là nous va le faire, j'aime dire nous va faire une jam session parce que fond batteur là quoi là. Okay. Batteur normal. Et là, nous avons Valérie avec nous là. C'est un ingénieur studio. Ok. So, nous allons apprendre aujourd'hui à ça créer les drums. Et puis, j'en ai la CDC et puis je suis en affaire. Pour nous montrer nous, le artiste qui travaille dans le studio. Comment nous faire? On a checké drums là, donc à l'ingénieur là, je suis à faire sûr que drums sonne bien. On a checké tout ça. Bon, tous les quatre. So Valérie, pour drums ça, qui ça vraiment à utiliser pour drums ça? Utiliser API, API, NIF, et bien 25 euros.
Donc tout le monde passe sur API et puis les overheads passe sur Ventec. Okay. Qui c'est 573 et puis j'ai deux nifs qui prennent un top et un bottom snare. Après ça, j'ai l'autre bois encore Ventec qui pour cymbaler. Okay. Ça veut dire que rien plus haut. C'est bien pio qui met qui met des chaleurs on tombe dans le jour mieux qui peut porter plus présence côté ça fait que n'a pour faire du là parce que tombe on a regardé un peu à la commande. Là, nous allons laguer la musique pour que le batteur joue la musique, pour que monsieur ait attendu first, pour l'habituer à la musique, et puis après ça, nous allons commencer à recorder. Et je tiens à recorder sur Pro Tools, et nous voyons que c'est un Pro Tools ADS, là, pour rien valer, right? Ok? Et Pro Tools ADS, là, c'est une dernière Pro Tools, ADS à son code. Qui fait que la musique a plus de définition, a plus de large. Vous comprenez? Tom 4 là. Donc là, comme vous avez checké chaque grain d'instrument, make sure que en tout bas, vous bien grand. Ok, bon. La nouvelle continue la musique là avec. Valérie a dit que vous utilisez Apollo à tout. Pour quelques plugins, vous prenez Apollo. Oui, il y a TSP plugins. Et puis, ça me fait un digital et iVid. Okay. Ça me fait ensemble avec elle. Nous synchronisons ensemble. Je viens pour analogue. Il vient pour mon confrère. Il vient changer de digital à analogue. Ok, good. Donc là nous allons laguer la musique pour que le batteur ait une petite pratique avec ça le bras joué. Là comme on peut avant nous faire du là, on upload musique là pour que nous puissions faire le batteur à jouer sur ça qu'on va jouer là. Donc voilà son musique, nous seulement mettez le batteur, je n'ai pas besoin de batterie, donc j'ai juste besoin de bel avec un tambour pour jouer. Là on a joué la musique là pour que le batteur qu'a comprenne ce qu'on va faire là, là dans le studio. Et puis je vais montrer nous comment avant batterie à jouer, qui ça nous fait, j'en nous setup et batterie à pour prendre batterie. Songez ça me dit nous, batterie et musique ça a bon jour déjà, même tu pensé que tech drum dans un petit genre pas fin pour yes. Donc nous allons mettre un petit bon tech là-dedans, peut-être ça nous vient dans le studio ça. Et puis côté que nous allons mettre drum ça. Compact.